Caroline Receveur, 2 semaines après la naissance de son fils, elle s'offre une sortie festive en amoureux. Récemment devenue maman d'un petit garçon, Caroline Receveur jongle entre son quotidien auprès de son fils, ses sorties avec son amoureux et ses projets professionnels. Elle était notamment aux côtés d'Hugo Philippe pour le festival Lollapalooza à Paris. Le 6 juillet dernier, Caroline Receveur annonçait avec bonheur la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Marlon, fruit de son amour avec le mannequin Hugo Philippe. L'ex-candidate de télé-réalité et désormais blogueuse reconnue avait ainsi partagé ses premiers instants aux côtés de son fils sur les réseaux sociaux. Un bonheur pour l'influenceuse âgée de 30 ans. 2 semaines après la naissance de son enfant, Caroline Receveur a souhaité profiter de quelques heures en amoureux, aux côtés d'Hugo Philippe. Le couple a été aperçu au festival Lollapalooza organisé à Paris. « Together is my favorite place to be », écrivait la jeune femme, suivie par plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Caroline Receveur semble donc avoir retrouvé le sourire. Accusée d'être une mauvaise mère par certains internautes en raison de son emploi du temps particulièrement chargé, la belle avait décidé de répondre à ses détracteurs. L'ex-partenaire de Maxime de Raymet dans Danse avec les Stars a ainsi prévenu les internautes mais disant « Pour être totalement transparente, toute personne qui m'enverra ce genre de message de M asterisque 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 ou critique au sujet de mon rôle de maman sera tout simplement bloquée de mon compte Instagram. » Malgré quelques messages douteux, Caroline Receveur peut toujours compter sur le soutien de sa communauté de fans mais aussi et surtout sur The Louis de SES approaches at Lollapalooza with his once black heart. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Caroline Receveur.